Alors, t'en as pris plein la gueule, hein? Je l'avais dit que j'allais défoncer ta race. Eh ben tu vois, je suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'on a plutôt bien résisté. Alors d'accord, maintenant il y a un gros trou dans le mur. Mais tu me connais pas, j'ai déjà connu ça et je peux te garantir que moi ça me fait pas peur. Je me suis renseigné sur toi, tu sais, et c'est vrai ce qu'on dit. T'es un marrant. Je dis la vérité, frère. Nous étions assiégés, il pleuvait, nous n'avions aucune chance. Quand soudain, Aragorn me crie dessus pour que je tue un orc. Je tire plusieurs flèches, mais rien ne l'arrête. Notre sort était scellé. Non mais arrête ton cinéma, je m'en bats les couilles, frère, c'est pathétique. Visiblement, toi et le roi, vous aimez faire de l'humour. Je te propose quelque chose pour s'arranger. Raconte-moi une blague. Et si c'est marrant, vous ne risquez rien. Mais dans le cas contraire, évidemment, on vous extermine tous. Sans distinction. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est à prendre ou à laisser. Tu peux pas me laisser plusieurs tentatives parce que là, tu me prends un peu de court. Je suis tenté de t'accorder ça. Tu es courageux, tu le mériterais. Mais en fait, je te trouve déjà rigolo. Ce serait trop facile. Tu savais qu'en coupant un bout de bambou, on peut toujours s'en faire un banc? C'est tout? Ouais, c'est un jeu de mots. Tu t'en vas parce que c'était drôle? Non. Ah! Je viens de comprendre. Ah, oh, quel con, c'est nul, mais... Oh, c'est drôle. Pourquoi vous faites cette tête-là? Ce n'est qu'un mur, vous savez, pas la peine de faire des lamentations. Moi non plus, d'ailleurs. Je vais reprendre en main mon destin. Je me suis servi de mes neurones. Et mon cœur a parlé. J'espère que c'est suffisant pour qu'on baise. Je suis d'accord, mais... Nous sommes passés à deux doigts de la catastrophe. Par ta faute. C'est dur. Tant que tu ne seras pas prête, j'attendrai. Mais je dois repartir. Regarde ce cheval, tu lui as évité de se faire manger. Mais en fait, ce que tu as fait ne servait à rien. Parce que le cheval, c'est pas halal. Merci. J'en aurais appris des choses. Si ta quéquette ne s'est pas accomplie ici, cela va sûrement dire que tu vas trouver bonne fortune ailleurs. J'en suis convaincu, mon ami. Longue vie et prospérité.